C'est Osseur de l'FTI et je reviens vers vous pour une petite vidéo courte pour vous annoncer plusieurs choses. Déjà j'ai vu effectivement qu'il parle pas mal des animations des personnages et pour le coup ça je trouve ça effectivement peut-être inutile pour certains mais très intéressant pour moi en tout cas parce que ça apporte un vrai immersif en fait les personnages quand vous voyez tout ce qu'il fait sur la FOIP et que vous voyez certains, enfin moi je vois certaines personnes s'en servir énormément. Je me dis que chaque mimique, même les doigts, puis a priori il devait aussi faire un système de langage pour les sourds, voilà. Et pour le coup, je trouve qu'effectivement l'animation des personnages va être vachement importante parce que plus il est réaliste, plus on peut rentrer dans un personnage. Voilà, c'est mon avis. Autre, les motos, bah écoutez, j'ai rien de spécial y penser. C'est un véhicule comme un autre, sûrement plus facile à conceptualiser parce que plus petit. Mais voilà, je suis pas plus hypé par la moto que ça pour l'instant. J'attends plutôt l'arrivée de certains vaisseaux. Je vais mettre, alors comme vous pouvez le voir sur les images, certains costumes en cadeau. Donc je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'il y en a au moins deux de mon set qui vont partir en cadeau pour la chaîne. Donc restez bien attentifs parce que voilà, je vous ai fait un petit défilé de mode et puis vous pourrez faire votre avis. Alors dans la série Venture Rust Society, vous avez le Horizon Rust Society et dessus on y greffe plusieurs éléments qui sont les MacFlex Rust Society. Ensuite, vous avez le Venture Rust Society au complet, le setup. Et enfin, pour finir, celui que je vais mettre en cadeau assez rapidement, le Venture Pathfinder. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je pense pouvoir streamer cette semaine jeudi. En tout cas, j'ai énormément de travail, donc je m'excuse pour ce manque de présence et j'espère revenir au plus relativement rapidement. Voilà. Et je vous dis à plus la communauté et à bientôt, Universe.